Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo entièrement consacrée au solaire. Et nous allons faire cette vidéo avec Jeff. Voilà. Présent. Alors, cette vidéo a été très attendue sur notre solaire. On va tout vous expliquer, ce qu'on a monté, pourquoi on a monté ça, combien, puissance, tout ça. Dans un premier temps, je vais vous expliquer vite fait aussi comment fonctionne entre guillemets le solaire, parce que je sais que vous aimez bien quand on fait ces explications. Je vais vraiment vous imager le truc, comment ça fonctionne. Et ensuite, si vous avez besoin de beaucoup plus de renseignements, je vous invite à regarder les vidéos sur la chaîne de MyShop Solaire. C'est notre partenaire solaire depuis pas mal de temps maintenant. Et on est vraiment très content de travailler avec eux. Si vous avez vraiment des questions techniques sur les branchements de panneaux solaires, sur les branchements de convertisseurs, les BMW, les CRX, tout ça, je vais vous mettre des liens régulièrement, des fiches dans cette vidéo. Elles seront là, c'est ça ? Elles seront là. Vous verrez qu'ils expliquent vraiment tout bien. Ils alimentent leur chaîne régulièrement avec de nouvelles vidéos. Alors le solaire, c'est quoi ? Le but, c'est de capter les rayons du soleil pour en faire de l'énergie. C'est ça ? Ouais, faire de l'énergie et la stocker. On pourrait appeler ça des capteurs solaires en fait, plutôt que des panneaux solaires, parce que les gens ils croient que c'est les panneaux qui fournissent l'énergie. Ça capte les rayons du soleil, ça envoie tout ça dans un régulateur, et ce régulateur, lui en fait, il se prend tout. Il dit vas-y, balance le soleil, balance tout avec plus ou moins d'intensité, parce que des fois il y a des nuages, après ça revient plus fort, moins fort. Donc lui il se prend tout comme ça et il régule en une bonne petite tension et il fait une charge au niveau des batteries qui va être très adapté. Voilà, c'est à ça qui sert ce régulateur solaire. Il faudrait dire panneaux photovoltaïques, mais pas panneaux solaires. Voilà. Parce que les panneaux solaires, c'est pour chauffer l'eau. Enfin bref, voilà, vous avez compris déjà le système. On capte, on met dans un régulateur. Le régulateur, il s'occupe de charger comme un chargeur de batterie. Il s'occupe de charger avec plusieurs phases. Nous, on va avoir deux régulateurs. Un pour les petits panneaux solaires et un autre pour les grands panneaux solaires. Ensuite, donc régulateur, cette énergie stockée dans les batteries, qu'est-ce que je vais en faire? Vous pouvez vous en servir de suite en 12 volts ou en 24 volts, ou alors vous pouvez brancher un convertisseur 220, comme nous on a fait. On a pas mal de choses qui fonctionnent au 220, le frigo, la machine à laver, quelques lumières, la télé, voilà, il y a plusieurs choses qui fonctionnent au 220. Donc on a un convertisseur qui va nous convertir le 24 volts, parce qu'on sera en 24, le 24 volts en 220. Et après, ça balance ça directement dans l'installation, comme une maison. On a des prises en 220, on ne s'occupe pas en fait. On a juste à s'occuper de savoir si on a encore assez d'énergie dans nos batteries pour pouvoir nous servir de notre 220 dans le véhicule. Tout ça, il faut pouvoir le contrôler. Donc on a un contrôleur de batterie qui va nous servir à contrôler notre charge au niveau des batteries, qui va nous donner beaucoup d'informations sur notre système solaire, en fait, voilà, surtout sur les batteries, sur l'état des batteries. Donc ça, c'est très important. Si on doit économiser ou si on peut open bar, voilà. Open bar, voilà. Moi, je flambe, c'est soleil aujourd'hui. Soleil, on flambe. Et là, on a un petit, un petit Cyrix. On pourrait comparer ça, si vous avez des camping-cars, à un coupleur séparateur. C'est pas tout à fait pareil, c'est un peu plus poussé quand même. Voilà, ça nous permet de recharger nos batteries cellules quand on roule. Votre alternateur va recharger vos batteries cellules quand vous allez rouler. Et inversement, quand vous aurez vos batteries cellules qui seront assez chargées grâce au solaire, il va faire contact et il va recharger aussi vos batteries moteurs. Ça, c'est très intéressant parce que si vous êtes arrêté, admettons, pendant un mois et que vous n'avez pas à faire tourner votre moteur, eh ben, les batteries ne vont pas se retrouver à plat. C'est ça qui est vraiment très intéressant. Ça marche dans les deux sens. Ça s'appelle un Cyrix, c'est Victron Énergie. On a quasiment monté que du Victron, à part les panneaux solaires qui sont en LG. Sinon, les petits panneaux sont en Victron aussi. Donc voilà, niveau qualité, c'est le top, hein, y a rien à dire. On a décidé de poser les panneaux solaires sur des réglettes en inox. Donc voilà, ça va être posé comme ça, vissé, collé à la PU sur le toit, et on laisse 2 cm de marge entre le toit et le panneau solaire pour qu'il y ait un petit peu de ventilation.
Dans cette vidéo, vous allez voir que les régulateurs et convertisseurs de charge, ils sont dans un caisson. À la base, il aurait fallu leur laisser un peu plus d'espace. Voilà, donc ne vous inquiétez pas si vous les voyez enclavés comme ça dans un caisson. Par la suite, il y aura un ventilateur qui s'allumera automatiquement avec une sonde de température pour venir les refroidir avec de l'air frais extérieur. Les panneaux solaires. Pourquoi tu as des petits panneaux solaires? Pourquoi tu as des gros panneaux solaires? C'est tout simplement pour essayer de couvrir le maximum de place sur le toit. J'avais pas la possibilité de mettre 4 panneaux comme ça, j'aurais bien aimé, parce que j'ai un lanterneau au milieu. Lanterneau au final qui se retrouve très utile parce qu'il a une ventilation et il permet vraiment de réguler la température dans la caisse parce qu'il y a un petit thermostat. Et ça, on en est super content. Donc, en fait, on va mettre 3 panneaux solaires jusqu'au lanterneau et ensuite, de chaque côté du lanterneau, on va mettre 2 petits panneaux solaires. Ils font 115 watts et les gros panneaux solaires font 370 watts. C'est des LG Back Contact, c'est le modèle R, si je dis pas de bêtises, allez voir sur le site de My Shop Solaire, vous allez les retrouver. C'est des LG 370 watts. De toute façon, il n'y en a pas 36, il n'y a que cela. Alors vous avez vu, on ne voit pas les petits filaments ici qui permettent de connecter toutes les cellules entre elles. Grâce à ce système-là, en fait, pourquoi Back? C'est parce qu'ils ont mis tout ça derrière. Ils ont gagné en surface solaire, c'est ça, voilà, ce qu'on peut dire. La surface a été optimisée. C'est ouais, ouais, c'est des panneaux qui sont vraiment optimisés. Voilà. Ah oui, parce que pour la surface qu'il y a, 370 watts pour des petits panneaux comme ça, c'est bonne performance. Ouais, c'est pas mal. Hein. D'ailleurs, si c'est voilà, My Shop Solaire, apparemment, sont à la pointe de la nouveauté, quoi. Ah bah, ils sont à la pointe de la nouveauté, voilà. My Shop. Hein. Ça, voilà, c'est clair. Je crois qu'il y a encore plus performant, mais le prix, c'était. Oui, voilà. Je crois qu'il y en a des 400 et quelques. Hein. Ah ouais. Ah ouais, ouais. Ah ouais. Mais bon, j'ai dit non. Wow, 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 wow. Ouais, après, à un moment donné, ça va. Et en plus, ces petits filaments, au final, ils vous font de l'ombre. Donc, le fait de ne plus avoir les filaments devant, vous gagnez, vous avez plus l'ombre et vous avez beaucoup plus de surface solaire. Ce qui fait que, voilà, bah, comme on disait Jeff, ils sont optimisés. Okay. Voilà. Donc, ceux-là, 370 watts, on a 3 et des 115 watts, on en a 2. Donc, voilà, vous calculez, ça fait 1350, 1330, je ne sais plus. Enfin, bref, on est dans les 1350 watts de panneaux solaires. Donc, ce qui devrait être pas mal vu la taille du camion. Les batteries, je les ai pas sorties parce qu'elles sont rangées. Et bah voilà, c'est comme si vous avez Jeff qui était condensé dans un petit truc comme ça. À soulever, c'est pas facile. Hein. Elles sont. Tu dis, ils ont mis quoi dedans? Du plomb? Ouais. Non, non, ils ont mis Jeff. Il y a du poids. C'est des batteries Unitec, plomb carbone. Je vous les présenterai dans une deuxième vidéo. Donc c'est des batteries au gel en fait tout simplement, sauf qu'ils ont intercalé des plaques de carbone, et ce qui fait qu'elles ont un meilleur rendement et vous pouvez encore plus les descendre que des batteries gel traditionnelles et elles durent deux fois plus longtemps pour un écart de prix qui n'est pas délirant. Donc on a préféré prendre celle-là et puis c'est vraiment la My Shop Solaire qui m'ont conseillé celle-là, ils m'ont dit celle-là, elles seront beaucoup plus tout-terrain parce que s'il y a des fois vous les descendez de trop, ça va pas leur faire de mal et inversement. Donc ça correspondait tout à fait à notre utilisation. Allez, c'est parti au boulot avec Jeff. Là, ce qu'on va faire, on va déjà calculer tout ça et on va aller monter deux rails. Et puis on vous fera des petites vues drone pour que vous voyez comment on commence à monter les panneaux. Et on espère qu'on va passer entre les gouttes et entre les rafales de vent. Parce que quand ça souffle, ça vient d'un coup. Et monter les panneaux solaires quand il y a du vent, c'est pas top. Non. Oh, Jeff, il rampe, il rampe. Voilà, regardez ce que ça donne. Il y aura encore deux petits panneaux. Là où il va être Jeff, il y aura un panneau. Là où, de l'autre côté, il y aura un panneau aussi. Là, on essaie le lanterneau, voir s'il s'ouvre à fond. Et ça donne ça. Excusez-nous pour le vent, mais on n'a pas pu monter l'appareil photo. Hein. Ça y va? Voilà. Les cornières en inox vont être vissées. On a tout calé. On a la même distance à droite qu'à gauche. Voilà, on est plutôt satisfait du résultat. Hein, Jeff? La luminosité, c'est pas top. Là, je mets des petites cales pour renforcer un peu le milieu parce que c'est vraiment trop flexible. Voilà, on en a mis partout.
on est en plein sur la butée là, Pierre. On est en plein sur la butée là. Il y a combien? Ah ben là il y a Et donc une. Une butée. Une bonne 37 minutes avec une. Ouais? Ouais. Comme par hasard. Vous savez qu'on se tue. Ça va? Ouais, ouais, ça va. Voilà. J'ai senti se soulever le truc. On est à pied nu. Bon, allez, 1, 2, 3. Bon, ils sont tous bons, hein? Ouais. Ah oui? T'as de la chance. Ouais, tous, ça y est, les amis. Comme il y a plusieurs parois, il y a de la fibre et de la mousse, ça prend pas les vis. Donc du coup, on arrive décollé. Autant vous dire que ça bougera pas. Celui qui veut enlever les panneaux, pas possible. Les panneaux solaires sont montés, vous avez vu, on vous a fait des petites images drone parce qu'on sait que vous aimez ça. Et je vais aller vous montrer à l'intérieur ce que Jeff il a fait et ce qu'on a monté hier, c'est-à-dire convertisseur et les deux régulateurs solaires. Voilà, on va y aller ensemble et on va aller voir ça. Alors, donc, ici, nous avons le convertisseur. C'est même un convertisseur où vous pouvez redistribuer l'électricité, vous savez, dans les maisons. Voilà, c'est pas pour ça qu'on l'a pris, c'est parce qu'il était compact. Ça, c'était une demande que j'avais fait à MyShop Solaire. Essayez de me trouver un convertisseur qui soit compact, donc ils m'ont trouvé celui-là et il s'intègre très bien ici. Ensuite, on a le petit régulateur qui sert pour les deux petits panneaux Victron, et ensuite nous avons le gros régulateur qui sert pour les trois panneaux LG. Alors tout ça, ça va être branché indépendamment et ensuite ça viendra recharger les batteries. Ensuite, on aura deux gros câbles qui viendront ici alimenter le convertisseur en 24 volts et lui nous ressortira du 220 volts qui passera par le compteur électrique du camion, comme un compteur de maison avec tous les petits disjoncteurs, et on aura notre 220 dans le camion. Donc là, on a déjà fait, on va dire, 50% du boulot. Il faut finir les coffres, mettre les batteries, brancher les régulateurs et ensuite on pourra tout brancher et on aura une installation qui sera OK et le camion sera entièrement autonome. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour dire au revoir à nos bandits, hein? On va défoncer le capot. Oula, ouais, bon, on se met sur l'enfort. Cette vidéo se termine, j'espère qu'elle vous aura plu. C'est la première partie du solaire. Ensuite, il y aura la deuxième partie. Bon, ça sera peut-être dans une semaine et demie. Elle va pas être en suivant les autres vidéos. Les prochaines vidéos, ça va encore être les coffres, hein, chose très intéressante aussi, parce qu'on va fabriquer les coffres avant, les gros coffres avant. En cornière de 4 sur 4, ça va être un truc costaud. Il va y avoir du poids. Et alors, t'aimes bien l'installation, les panneaux? Ça tient. Ouais, ça tient. Ah oui, là, tu peux y aller. Ouais, on s'est offert une échelle, hein, parce que là, il fallait absolument que on fasse ça avec une échelle, quoi. Voilà. Eh ben, on a fait ça aux petits oignons, hein, tu crois quoi? Avec deux chemins de chaque côté pour venir nettoyer les panneaux solaires. Et on a même mis des renforts au milieu pour éviter qu'ils s'écrasent de trop. Il restera juste à mettre un petit... Ouais, on doit en mettre un ici, exact. Parce que tu vois ce que ça fait, sinon? Merci Jeff encore, du bon boulot. Non, de rien, alors là, c'est avec plaisir. Ah là là, quand vous avez Jeff à vos côtés pour l'électricité et pour les panneaux solaires... C'est top. Mais c'est un plaisir de monter du bon matériel de chez MyShop Solaire. Franchement, c'est du bon matos. Là, je pense qu'avec ça, on va développer à mort des watts.
Ils sont toujours là pour donner conseil, pour nous aider à brancher et tout. Ah ouais, de ce côté-là, et voilà, je vous ai mis des petites fiches régulièrement dans les vidéos. Franchement, allez jeter un œil sur leur chaîne YouTube et sur leur site internet pour avoir voilà, des idées. Et surtout, n'hésitez pas à leur envoyer un petit mail pour avoir des devis. Et si vous ne savez pas quoi acheter ou quelle puissance avoir, vous allez sur leur site, il y a un petit outil où vous rentrez toutes vos consommations et là, ils vont pouvoir vous dire à peu près, même quasiment au pile poil, ce qu'il vous faut exactement comme installation. Et le petit conseil des vadrouilleurs, c'est surdimensionner un tout petit peu. Je sais pas si ça se fait, mais moi, je surdimensionne. Ça fait de mal à personne. Voilà. Et oh là, putain, et en plus, ça rime. C'est la classe. Ouais, là, c'est la classe. C'est la classe. Ah, là, tu peux te servir de ton Grace Factory, hein, largement. Ça va l'amener. Ah bah, ça va l'emmener sans souci. Voilà, donc 1400, combien déjà? Je sais jamais. 1350. Ah ouais, les panneaux, il faut les nettoyer régulièrement pour qu'ils soient nickel, parce que sinon, c'est des pourcentages de rendement en moins. Qui c'est qui fait le mot de la fin? Je peux faire le mot de la fin. Salut les bandits! Salut les bandits! On se retrouve dans la prochaine vidéo avec Jérémy pour la suite de l'aménagement et l'équipement de Martin et le live de dimanche. Attention, parce que Jeff, c'est un modérateur. Voilà. Donc si vous faites des bêtises sur le live, lui, il est là et il scalpe. C'est Jeff le scalper. Allez, on arrête. Bisous à tous. Salut. Bye bye. Bye bye. On coupe là? Je sais pas. On peut pas les couper, il est loin l'appareil. Je fais comment pour couper maintenant? On n'est pas dans la merde. Quelqu'un peut nous ramener une échelle?